Je suis devenue une super-héroïne sur Roblox Brookhaven. Maintenant, si toi aussi tu veux avoir des super-pouvoirs, mets un emoji en commentaire qui le représente le plus. Abonne-toi, like, et c'est Tipa pour la vidéo. Ah, je vais encore sauver des gens aujourd'hui. Oh mon dieu, de la fumée! Oh mon dieu, il y a le feu! Vite! Il faut que j'aille aider ces jeunes personnes! Vite! Vite! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Tu fais quoi? Oh, ça, notre feu! Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de me remercier. On va pas te remercier, mais je suis même pas cuit. Encore de jeunes adolescents sauvés. On marche mal haut. Oh mais. Faites attention la prochaine fois, les jeunes. Quand il y a le feu, il faut l'éteindre. Oui. Il marche mal haut. Allez, amusez-vous bien, les jeunes. Ah, encore une bonne action d'effectuer. Oh, à qui appartient cette voiture? Elle est très jolie. Allons-y, allons sauver d'autres personnes. Ah oui, mamie, j'ai encore sauvé plein de monde. C'est incroyable, tout le monde, même dans cette ville, tout le monde m'adore et m'adule à Brookhaven. Franchement, à côté, Supergirl, c'est du pipi de chat, je te le dis. Mais oui, maman, mamie, je me suis brossé les dents. Super Nobby Girl, on a un souci. Y a la banque qui se fait braquer, s'il vous plaît, allez les aider. Oh oui, je passe mon coup de fil et puis après je m'en occupe, hein. Oui, mais mamie. Vite, il y a des explosions, ça pète. Il se passe vraiment des trucs de fou, regardez. Ah oui, hier soir, mamie, j'ai mangé des petits pois. J'ai mangé équilibré, faut que je garde la forme pour poursuivre les super vilains. Mais bien sûr. Ils ont pris l'argent, regardez. Ils ont tout fait péter. Non, ne t'inquiète pas, mamie, c'est juste un citoyen qui est un petit peu excédé par la situation. Mais ne t'inquiète pas, mamie, rien de grave. C'est super calme à Brookhaven. Il n'y a rien d'horrible qui s'y produit. Mais bien sûr. Oh, mais des fois, tu sais, hein, les infos à la télé, ils abusent. Ils ont fait péter le coffre, regardez. Mais non, un coffre, ça ne se pète pas comme ça. Il faudrait au moins de la C4 pour péter un coffre. Et maintenant, ils ont volé l'argent, ils sont en train de partir. Mais non, t'inquiète pas, mamie, tout va bien. De toute façon, demain, j'ai rendez-vous chez le psy, mamie, et je vais en discuter. Oui, bien sûr. Mais... Regardez, il repasse avec l'argent. Oui, mamie. Non, eh bien, tu... Non, mais non, mamie, ne t'inquiète pas. T'as pas besoin d'appeler maman, tout va bien. Allez, bisous, mamie, hein. Ah, oh, oui, allez, des gros bisous, mamie. De toute façon, on se revoit. Big girl. Ils sont en train de faire sauter la banque encore une fois. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a rien, regardez. Je vois pas de quoi vous parlez, il n'y a personne. Oh, vous devez être un petit peu, je pense, excédé par la situation. Mais tout va bien. Ils étaient juste en face. Regardez, il y a quelqu'un, il fait tout péter. Il faut mais non, les aider. C'est un petit pétard, ils doivent sûrement faire la fête. Bon, allez. Dans une banque avec de l'argent. Ouf. Bon. Je vais aller sauver des gens. Allons-y. La mienne, c'est jeune de qui? Attends, mais attendez, je vais vous aider. Attendez, je vais vous débarrasser de cela. J'ai pas besoin d'aide. Ah voilà, je vous en débarrasse, ne vous inquiétez pas, je vais le jeter pour vous. Et le moi. Ne me remerciez pas. Je vais juste jeter ça à côté. Vous n'en avez pas besoin, je le vois bien. Rendez-le-moi. Mais je veux pas manger ça. Est-ce que ça se recycle, cette chose? Mais non, rendez-le-moi. Et voilà, dans la poubelle. Et encore une bonne action effectuée par Super Noobie Girl. Allez. Bon, mon chéri, je vais te dire, c'est moi qui paye. Et je te le dis, oh, il faut rentrer. Ah non, non, ça va pas le faire du tout là, non, non, c'est pas toi qui as payé tout ça. Ok, donc, ok, explique-moi, pour qui, explique-moi, je sais. Explique-moi. Parce que c'est toi qui paye, arrête de t'énerver là, c'est pas bien, arrête. Ok. Tu commences à m'embêter, j'en ai marre. Tu as une carte, ta carte elle est noire, ma carte à moi elle est bleue. Tu vois, on peut dire alors que tu as
beaucoup mais d'argent, c'est ça. T'es raciste, en fait. T'es raciste. Voilà, okay. dis-le, t'es okay, raciste. D'accord. Ta carte est une carte de riche. Tu es riche, tu es une femme riche. Je suis un homme pauvre qui sort avec toi parce que tu es riche. Alors, sers à quelque chose. Si je suis avec toi, c'est pour que tu payes. C'est pas pour que tu payes. Non, normalement, c'est l'homme qui doit payer, donc c'est toi qui payes. Voilà, donc tu payes. Tu vas me foutre un peu la haine, là. Je vais commencer à partir en cacahuète, là, je t'avoue, là. Non, ça ne marchera pas comme ça. Je suis désolée. Je vois que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de super Noobie Girl. Puisque je vois que vous ne savez pas vous départager, eh bien... T'es qui, toi? T'es qui? Il veut pas payer. Mais t'es qui, toi? Comme ça, il n'y a que vous qui pouvez payer l'addition. Il n'y a pas de problème. Non, vous inquiétez pas, pas besoin de me remercier. Ça ira. Vous lui avez fait quoi? Le problème a été réglé, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez payer l'addition pour les deux, puisque vous êtes la seule personne qui a survécu. La lumière blanche. Mais il n'y a pas de problème. Je suis désolée. Seigneur. Allez. Jack. Et encore une réussite pour Super Noobie Girl. Peut-être quelqu'un qui aura besoin d'aide. De ma part, de la part de Super Noobie Girl, encore une fois, bien évidemment. Est-ce que j'ai eu froid, Amélie? Vous avez froid, monsieur? Ça fait partie de mon talent. Vous inquiétez pas, vous aurez chaud, puisque je vais vous aider. Hop. Ah. Voilà, comme ça. Parfait. Maintenant, vous pouvez vous réchauffer, monsieur. Regardez, rapprochez-vous du feu. Venez par là. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de me remercier. Ma voiture? Je viens de l'acheter, madame. Eh bien, faut dire qu'elle vous aura bien servi. Elle vous réchauffe. C'est magnifique, n'est-ce pas? Encore un travail bien accompli de la part de Super Noobie Girl. Ah, l'incroyable. Ah, pas besoin de me remercier, vous inquiétez pas. Je l'ai payé 4000 balles. Eh bien, c'est 4000 de bien investi, hein, dis donc. Incroyable pour votre bien-être. Eh bien, je vais vous laisser vous réchauffer, car moi, je n'ai pas le temps de me réchauffer. Je dois aller trouver d'autres citoyens à aider. Au revoir, monsieur. Oh, bonjour, madame. Aujourd'hui, j'offre des conseils, parce que je vois que vous avez pris un peu de poids depuis la dernière fois que je vous ai vue. Eh bien, je peux vous proposer d'être votre coach sportif personnel, ainsi que de vous personnaliser un menu diète à base de riz, de soja et de poulet d'Inde à la T-Bone Shape. Mais en fait, j'en ai pas besoin, je suis juste enceinte. Vous inquiétez pas, madame. Oui, clin d'œil, hein. Vous êtes enceinte. Mais vous inquiétez pas, je vais vous aider. Je vais vous aider à perdre mais tout ce qui est superflu. Non, mais je suis vraiment enceinte, en fait. Oui, clin d'œil. Je vais vous aider. Non, mais en fait, remballez vos diètes, là, et vous savez, partez, parce que je suis juste enceinte, hein. Vous savez comment je peux vous aider? Bah, en partant. Exactement. Hop, je vous vole votre téléphone. Si vous voulez récupérer, il va falloir me courir derrière. Mais je suis enceinte. Courez, madame. Vous pouvez le faire. Je suis votre nouvelle coach sportive. Allez, courez. Vous allez y arriver. Vous inquiétez pas. Allez, un petit gramme en moins, deux petits grammes en moins. Ah, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont peut-être besoin de mon aide. Non, saute pas, s'il te plaît. Saute pas. Si, je suis obligée de sauter, j'en ai marre de la vie. C'est de la merde. Non. Si. Non. Descends. Si. Non, j'ai pas Descends envie. Descends-toi. Non. Il faut aider cet enfant à descendre. Je vais l'aider, Noobie Girl. Vous pouvez le faire. Je vais aller l'aider. J'en ai marre. Ne vous inquiétez pas. Je vais... Non. Je vais aider cet enfant qui a son cours de sport et qui a sûrement besoin de sauter pour avoir la meilleure note. Saute pas! Si, j'en ai marre de la vie! Ne t'inquiète pas, mon enfant, j'arrive. Je vais t'aider je vais te donner le coup de pouce qui te manquait. Voilà, juste là. Saute, mon enfant! C'est bien! Non!
Et voilà encore un enfant qui va avoir 20 sur 20 à son cours de sport pour avoir effectué le meilleur saut. Le saut vous le plus haut. Vous l'avez tué. Il faut attraper le bigger. Ne t'inquiète pas, je peux t'aider ma petite également. Si tu montes, je pourrais t'aider et te donner le coup de pouce qu'il te faut pour attraper la note. Non, vous l'avez même tué. Vous l'avez tué là. Ah, encore une fois, nous Big Girl a réussi à sauver la note d'un enfant. Je vais pouvoir aller aider un autre citoyen. Incroyable. Allez, c'est parti. Aidons un autre citoyen de Brookhaven. Thank you.